C'est la troisième année consécutive que s'organise dans la ville de Makarska le célèbre camp des gardiens de but de handball auquel participent les meilleurs jeunes gardiens du monde entier. AdrienGuide.com a tout de suite désiré soutenir ce projet et c'est avec un grand honneur que notre agence est devenue un des sponsors de ce camp. Voici ce qu'en pense Thierry Omeyer. Thierry, alors ? Bonjour. Bienvenue en Croatie, donc dans le camp de handball. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans ce camp. Donc vous pourriez m'en parler un peu, s'il vous plaît ? Oui, effectivement, c'est la deuxième fois que je viens à l'occasion de ce camp pour les gardiens de but. Donc j'ai été invité et voilà, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation. Je pense que c'est une très bonne initiative pour les jeunes gardiens de but de venir s'entraîner au contact de gardiens de but, de pouvoir progresser. Mm-hmm. Et en même temps ici en Croatie, c'est un superbe endroit où en même temps ils peuvent un peu allier les vacances et le handball. Et les entraînements de hand. Le camp accueille de nombreux enfants. Ils sont à combien actuellement ? Oui, ils sont une soixantaine d'enfants qui viennent s'entraîner, donc que des gardiens de but qui viennent peaufiner un peu leur technique, prendre des conseils auprès des entraîneurs et pouvoir progresser pendant toute une semaine. Donc c'est un stage assez intensif pour moi. Pour les enfants ? Pour les enfants, oui. Très bien. Et vous êtes déjà venu en Croatie, vous avez déjà visité le pays ? Je suis venu plusieurs fois à l'occasion de matchs de handball, que ce soit en Coupe d'Europe ou pour les championnats du monde qui avaient eu lieu en 2009. Mm-hmm. C'est à chaque fois un très grand plaisir parce que c'est déjà un pays qui aime le sport et où il y a à chaque fois beaucoup de gens qui viennent dans les salles. Et puis c'est très agréable aussi à vivre en dehors. Quand on est un peu plus en vacances. D'avoir cette occasion, j'espère bien pouvoir revenir une fois simplement en tant que touriste et pas seulement pour mes activités handballistiques. J'espère aussi que vous aurez l'occasion de revenir en Croatie pour passer vos vacances. La Croatie est un pays très visité par les visiteurs français aussi. Donc, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, concernant leurs futures vacances en Croatie ? De venir à Makarska par exemple, à Tučepi ? Oui, par exemple, c'est vrai que ici c'est vraiment très, très sympa, très joli. C'est la deuxième fois que je viens et à chaque fois c'est un réel plaisir de pouvoir de voir comme c'est très joli et de pouvoir profiter du soleil et de la plage et de la mer. Écoutez Thierry, je vous remercie beaucoup et puis j'espère à l'année prochaine alors. Merci. Merci.